Valentin, il faut vraiment que tu ailles te soigner. Il faut qu'on aille chez le médecin, là tu peux pas rester comme ça, mon pauvre. Oh mais regardez-moi ça, Valentin. Ne me regardez pas, ne me regardez pas. Mais tu vas pas passer toute ta journée à pleurer. Mais si, regarde comment je suis devenu moche. Bah, c'est vrai que ta tête elle est horrible. Bon les amis, on espère que vous allez bien. Nous en tout cas ça va vraiment pas là. Toute la famille est partie, regardez-moi ça. Regardez la raison. Je suis malade. Mais oui t'es malade, ça se voit, t'inquiète pas hein. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est vraiment pas bien. Là vraiment on a vécu une journée d'enfer. On va vous expliquer. En gros, vous voyez bien, Valentin, il va pas bien du tout. Il a le visage. Ah, c'est bon, ouais, pleure pas, je suis en train d'expliquer, hein, quand même. Oh, on va. Je vais expliquer, hein. Ne pleure pas. Bon, voilà. En gros, là, Lily Rose est partie de la maison. Peppa Pink est partie de la maison. Enfin, bref, tout le monde est parti de la maison parce qu'ils ont peur de Valentin. Bon, vous avez vu son visage, vous comprenez pourquoi. En gros, ce matin, on se réveille. Donc, tout le monde doit partir. Nous, on devait partir à l'école. Peppa Pink devait partir au travail et tout. Et là. On réveille Valentin, il était dans sa chambre, on réveille Valentin et on le voit avec cette tête là. Ah c'est bon, hein, tu vas pas pleurer. Oh, faut pas pleurer. Allez, bon, tu vas pas pleurer quand même. Donc là, il a pleuré toute la journée, tout ça. Et en fait, on a compris. Bon, attendez, attends, j'arrive. Hein. Je vais t'amener chez le médecin, Le problème, c'est qu'on pense qu'il s'est fait mordre par un zombie. Du coup, Valentin, c'est devenu un zombie aussi. Et on sait pas comment lui dire. Bon, vous savez que, pour ceux qui regardent toutes nos vidéos, vous savez qu'en ce moment, dans notre quartier, dans notre ville, il y a plein de zombies. Mais quand je vous dis plein de zombies, c'est des fois on arrive à les filmer. On a déjà fait des vidéos où on était en train de les filmer. Et hier, en rentrant de l'école, on a vu un zombie. Il nous a couru après et tout. Et à un moment donné, il a même réussi à un peu nous attraper. Il nous a un peu griffé l'épaule et tout, il nous a attrapé. Et on pense que il a contaminé Valentin. Et du coup, Valentin, à mon avis, pendant la nuit, c'est devenu un zombie. Mais un zombie gentil, quoi. Parce que d'habitude, ils sont méchants, ils essayent de nous attraper un et tout. Ah non, ça va, Valentin. Un zon quoi? De quoi? Un zon quoi? Mais de quoi zon? Zombie. Mais un non, zombie m'a mordu. Mais t'es pas un zombie. Regarde, toi, t'es... Mais non, pleure pas. Bah ça y est, il pleure. Bah voilà, méchant, hein. Ah, c'est méchant, les zombies. Bon, écoute, non, je vais t'expliquer. Et là, tu réagis comme un bébé cadom. Tu vois les zombies qui sont en ce moment dans notre quartier. Bah, hier, je pense qu'ils nous ont un peu griffés sur l'épaule. Et du coup, comme ils t'ont griffé aussi, à mon avis, t'as été un peu contaminé et t'es devenu un peu un zombie. Mais t'inquiète pas, toi t'es gentil, t'es pas un méchant. Mais je suis moche. Ah bah là oui t'es moche, regardez-moi ce visage. Une langue XXL. Ah, et me touche pas. Non, tu vas pas me griffer, moi aussi je vais devenir un zombie moche comme ça, ultra moche. Allez, bon, et du coup, bah, Lily Rose, elle a eu peur de se faire contaminer, elle est partie. Peppa Pink aussi. Et du coup, bah, je suis le seul à garder Valentin. Je dois rester avec lui. Bon, allez, on va aller chez le médecin. Attends, je vais te griffer avant. Et oh. Non, mais oh. Tu vas pas me griffer quand même. Je suis le seul qui est resté avec toi. Je suis ton seul ami là. Et oh non. Regarde mon doigt. Il est méchant, hein. Attention, hein. Et je vais trop se péter. Allez, bon, viens, on va aller chez le médecin. Ça tombe, il a un remède contre les zombies. Ah oui, parce que l'hôpital, en ce moment, ils en peuvent plus. Ils arrêtent pas de recevoir des gens qui se font contaminer par les zombies de notre ville. Allez, viens. Et surtout, si tu vois un zombie, tu te laisses pas attraper sur la route. Ouais, bah, je vais le... Parce qu'à mon avis, le zombie... Bah non, mais de toute façon, il est de ton équipe, le zombie. Ah bah oui, il va croire que t'es un zombie. Bon, allez. C'est vrai, je suis bête. Les zombies, ils vont voir que c'est un zombie, lui. Du coup, ils vont rien lui faire. C'est moi qui vont vouloir attraper. Donc, pas de bêtises. Allez, on y va. Bon, les amis, on se retrouve tout de suite à l'hôpital. Ça démarre très mal, on est devant notre maison et il y a un zombie. Ça tombe, c'est celui qui t'a attrapé hier. Mais oui, je le reconnais là. Mais non, on peut pas les reconnaître, ils se ressemblent tous. C'est comme toi, ils ont tous ta tête de moche là. Quoi, je suis moche? Mais oui, t'as une langue X. Oh, j'ai tout, j'aurais pas dû toucher ça. Comment ça, je suis moche? Donc avance contre le mur. Et tu fais comme ça, hein. On est discret. Parce que si t'es pas discret, ça va se faire. Bah non, toi, tu risques rien parce que t'es déjà zombifié. Mais moi, j'ai pas envie de me faire zombifier parce qu'après, je vais devenir un zombie tout moche. Et Lily Rose, elle voudra plus me parler. Pareil pour... Oh, attends. Y'a quelqu'un qui arrive. Vite, on court chez le médecin. J'espère qu'il va vouloir de toi. Parce que la dernière fois que t'es allé chez lui, ça s'est mal passé la dernière fois.
Il y est allé, il a fait semblant d'être malade pour pas aller à l'école. Bah ouais, bah j'aime pas l'école. Bah t'aimes pas l'école, mais là si elle te soigne pas, tu vas rester avec cette tête là toute ta vie. Oh non, non, non. Ah non, allez, on okay. Retourne, voilà. Allez, allez, vas-y, rentre. Je pense qu'il est là. Oui. Docteur. Allez, docteur Foufou. Langue. Docteur Foufou, ça va? Hein? Ah, bonjour, ça va? Oui, vous êtes là alors? Oh lolo, il y a une sale tête lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, ta langue. Oh là 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 là, et qu'est-ce que t'as mangé? Un zombie. T'as mangé un zombie? Parce que lui, il a voulu me manger. Ben, j'en ai entendu des vertes et des pommes mûres, mais celle-là. Ouais, d'accord. Bon, allez, allez, on arrête les bêtises. Il s'est fait mordre par. Enfin, il s'est pas fait mordre, il s'est fait griffer par un zombie hier. En rentrant de l'école. Et voilà. Comment le zombie? Bah, le zombie, il ressemblait à ça avec une grosse langue comme ça. Regarde, regardez-moi ça. Arrête! Attends, je l'ai vu, je me suis dit, bon, il a mangé trop de cassoulet, hein, mais bon. Oh là 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 là, ouais, je crois que j'ai un remède. Attends, je vais quand même prendre ta température. Il faut la prendre au niveau de la langue, je pense. Ouais, tu crois? Non, je suis docteur quand même, je sais quoi faire. Oh là 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 là! 38,2! C'est bon, pas bien! Ça va, mais si, 38,2, c'est bon. Oh, c'est un petit peu bon, écoutez, j'ai pas trop le temps là, il faut le rendre normal. Parce que là, Lily Rose, elle veut plus rentrer dans la maison, Peppa Pink non plus. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Chut, j'écoute. J'ai vu quelque chose. Mais ouais, c'était des bruits de zombies, ça. C'est les zombies, moi, c'est pas. Ça tombe, c'est des zombies qui reviennent, hein. Vous avez pas ramené des zombies ici, quand même? Mais non, on n'a pas. Mais par contre, on en a croisé sur la route, mais on en a pas ramené ici. Mais ça va pas. Oula, oh. J'ai un remède, j'ai ma poitrine. Vas-y, allez, soignez-le avant qu'il devienne. Soignez-le avant qu'il devienne totalement fou. Moi, je monte la garde. Ça y est, j'ai fait sa piqûre. Chut. Y'a quelqu'un? J'entends des bruits, ça gratte derrière la porte. Là, ça gratte derrière la porte, à mon avis, ils nous ont suivis jusqu'ici. Et regarde, il est redevenu normal. Bah c'est bien, ça a vite marché. Eh bah oui, et grâce à ma piqûre magique, là. Enfin, piqûre magique. Mais non. C'est mon sérum. Ouais, ça, c'est le sérum magique. À chaque fois, ils nous soignent avec ça. Hop, regardez, hop. Il est toujours aussi nerveux, hein. Ouais, mais là il faut qu'il se repose un peu là. Eh tiens, tu veux pas rester avec Marcel un petit peu, lui tenir ouais, compagnie? Prends le serpent. Voilà, ça fera peur aux zombies comme ça. Oui, bon, allez, Valentin, là on n'a pas le temps, là il faut y aller. Et oh, oh, oh. Et Valentin, calmez-toi. Et surtout, et monsieur docteur Foufou oui, là. Oui, ouais, vas-y, qu'est-ce que c'est là? Restez calme, restez chez vous. Parce que les zombies, il y en a plein dans le quartier. Ah bah moi, j'ai pas envie de les voir. J'ai pas envie de devenir un zombie, moi. Bien, et on va dire à Lily Rose de revenir. Elle peut... Laisse-moi Marcel. Oui, bon, allez. Merci, docteur Foufou, merci. Bon, les amis, nous, on va s'arrêter là. On va essayer de rentrer chez nous sans se faire avoir par les zombies. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine. Ciao.